Salut tout le monde, nous sommes en direct d'Argentine, de l'Estadio Ricardo Enrique Bocini, à Buenos Aires pour être exact. Je suis donc dans la cabine de commentateur, accompagné évidemment d'Omar Da Fonseca. Et on est avec vous pour vous faire vivre ce match captivant. Et l'affiche est belle, le match s'annonce sous les meilleurs auspices. Et oui, on est là pour s'aimer le football et cueillir les émotions. Vamos! Alors voilà la composition officielle de cette équipe. Dans le but, c'est Ter Stegen, Van Dijk, Rafa Márquez en défense centrale. Kevin De Bruyne sera accompagné de Pedri au milieu de terrain. Et devant, on retrouve Hugo Sanchez. Ouh, la faute, et attention là, ce tacle. Et du coup, on va voir ce que va dire l'arbitre. Et voilà un carton jaune distribué très tôt dans ce match. Le carton conditionne la suite du match. Il va falloir absolument maîtriser ses interventions. Oh, attention à ce ballon. Goal! Youssef En-Nesyri. Eh oui, del grande, del grandissimo. Vous avez raison. Vamos, vamos, gol, vamos, gol, gol, vamos. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Et derrière, Laurent contre un. Un gros boulet de canon dans le filet, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Virgil van Dijk, Hugo Sanchez, le ballon sur Léo Messi, et l'attaque est stoppée net parce qu'il y a faute. Et voilà un carton jaune pour cette action dangereuse. Le règlement est parfaitement appliqué. Aucune difficulté pour Bono là-dessus. Don Manuel Herreras acuda a la puerta 30. Munir El Haddadi. Los miembros de seguridad acaban de encontrar. El-Nesyri. Ah, il y a sans doute un bon coup à jouer là sur cette attaque. Ah, le ballon écarté de la zone dangereuse. Pedri, Léo Messi, et une faute assez grossière dès ses premières minutes, l'arbitre risque de ne pas en rester là, l'arbitre qui avertit David Alaba, carton jaune. Un peu trop de nervosité sur cette intervention, c'est normal. Ah, c'est une mauvaise passe sur l'adversaire. Axel Witsel. Youssef En-Nesyri. En-Nesyri. Et ça arrive pour Toni Kroos. Toni Kroos, mal au pied. Dani Carvajal reçoit le ballon. Quelle tête, on l'a presque vu dedans. Et finalement, ça va à côté. Au final, ça passe très près du bon temps. De Bruyne. Ronaldinho dans le couloir.
Une lutte à la récupération, le duel est remporté dans le camp adverse. Il faut qu'il prenne sa chance là. Ouais, super geste défensif sans commettre de faute. Mounir El Haddadi. La passe pour Mounir El Haddadi. Et pourquoi pas ici, la parade exceptionnelle, incroyable arrêt. C'est impressionnant qu'une telle distance, le ballon soit détourné. Allez, c'est joué court. Oh oui, la frappe. Tir contré, sans difficulté. Toni Kroos avec le ballon. Et la bonne intervention pour couper net cette offensive. Et les adversaires pressent. Busquets. Et oui, c'est une récupération. L'équipe a beau ne pas jouer devant son public, elle monopolise le ballon depuis un petit moment. Le tout en se créant pas mal d'occasions de marquer à nouveau et de faire le break. Ça va être compliqué pour le rival maintenant. Et justement, il y a peut-être une nouvelle occasion à venir. Ah, la frappe, c'est bien tenté. Ah, c'est capté sans aucune difficulté pour Ter Stegen. En-Nesyri reçoit le ballon. Attention, Youssef En-Nesyri. Intervention du gardien. Et encore un arrêt à mettre à son actif. Et l'heure de la mi-temps approche. Et il y a cette petite avance dans cette rencontre pour l'équipe en déplacement. La partie est très serrée. C'est bien de mener d'un but, mais ce n'est pas suffisant pour se détendre et laisser venir. La mi-temps va permettre de remobiliser tout le monde. Alors, il faut vraiment s'appliquer, améliorer la trajectoire des centres. Witzel. Et ça joue, Youssef En-Nesyri. Grosse présence au contact, ballon récupéré dans le camp adverse. Ouh, c'est contré, in extremis. Le ballon récupéré sans commettre de faute. Attention, Youssef En-Nesyri. Quelle intervention, elle est hyper importante. Il y a un contre à jouer maintenant. Et ça joue avec Messi. Attention pour égaliser. Oh, bien défendu à la barre, mais c'est pas fini. Et le gardien plonge bien. Les tribunes qui s'enflamment pour ce corner offensif. C'est leur première occasion de revenir à hauteur depuis un moment. En deux temps. Dans les bras du gardien, sans difficulté. Reinildo. Voilà, c'est maintenant officiel. On jouera une minute de temps additionnel. Oh, attention à ce centre. Et voilà le coup de sifflet, l'arbitre qui siffle la mi-temps ici. Et voilà, le coup d'envoi de cette rencontre.
L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Ouais, le long ballon pour changer de côté. Et ça joue, Youssef Ennesseri. Oui, bien fait ça. Et le gardien s'emploie comme il faut. Et voilà un ballon qui est intercepté. Allez, il faut l'aider, il faut lui proposer des solutions là. Et il pensait réussir le doublé, mais belle parade du gardien. Bonne intervention de sa part, il était bien vigilant sur cette action. C'est joué court. La frappe de loin et le gardien était bien vigilant. La deuxième chance, nouveau corner. C'est bien parti pour ce corner. Cancelo qui éloigne ce ballon. Pour Ronaldinho. Allez, il faut lever la tête maintenant. Et voilà un tacle parfaitement réussi. Le ballon est récupéré. Youssef Ennesseri. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Ballon perdu. Attention, ça peut coûter très cher. Il va aller provoquer dans l'axe. Ah, le ballon est contré. Pour Ronaldinho. Ah, c'est bien joué, il y a une bonne progression. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Youssef Ennesseri. Olé, le bon mouvement. Ah, c'était très dangereux, mais c'est une très bonne intervention. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Ronaldinho. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Bien fait ça, sans faute. Ah, le ballon intéressant. Et oui, le but. Les voilà maintenant un peu plus à l'abri avec ces deux buts d'avance. On revoit bien cette frappe. Ce n'était pas forcément le plus facile de jouer le poteau rapproché. Je trouve que c'est très bien vu de sa part. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Busquets, Messi. L'équipe en déplacement monopolise le ballon et ce n'est pas si évident que cela de maîtriser à la fois le ballon, l'espace, la position de l'adversaire. C'est la multiplication des passes à haute intensité qui leur permet de déséquilibrer la défense adverse. Et justement, il y a peut-être une nouvelle occasion à venir. Alors là, pour le gardien, même pas besoin d'être un super-héros, c'est cadeau. Oui, si près du but, c'est vraiment pas terrible. Et encore, on est gentil. Pedri. Ballon pour Busquets. Joue en Cancelo. Busquets. Le ballon sur Léo Messi.
avec Kevin De Bruyne. Très bonne intervention avec ce tacle en pleine surface. Le ballon en joue. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Il faut maintenant réussir à créer le danger sur cette possession. Le tir de Ronaldinho a capté sans aucun problème ce ballon par Bono. Dani Carvajal. Ah, il y a faute mais avantage, l'arbitre là, elle fait signe de continuer. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Bien sûr que l'arbitre signale la faute, le coup franc à suivre. Pedri sur le côté, il a de l'espace. Il y a faute et l'arbitre donne le coup franc. Alors on s'attendait à un carton jaune là-dessus, mais finalement ça ne sera qu'un avertissement verbal. L'arbitre a fait preuve d'indulgence, il va falloir maintenant se faire un peu oublier. Et ça joue avec Messi. Ballon pour Alexander Arnold. Et il remporte son duel, bien défendu. Ah, l'intervention est ratée. L'arbitre donne donc un coup franc. Un peu d'excès d'engagement sur cette action, même si l'arbitre se contente de signaler la faute. Et il va falloir se contrôler un peu pour éviter le jaune à la prochaine. Le ballon de De Bruyne. Aucune difficulté pour Bono là-dessus. Allez, la jolie passe dans la profondeur. Ah, il faut tirer là. Oui, il arrête, mais le danger est encore présent. Allez, l'attaque adverse est finalement bien repoussée. Un bon contre à jouer peut-être. La grosse opportunité, attention! Oh, le sauvetage! Incroyable, Bono! Le ballon pour Kylian Mbappé. Et l'arbitre indique 3 minutes minimum d'arrêt de jeu. Allez, sur le côté pour amener le danger. Le centre vers la surface de réparation. Allez, le gardien évite le but, mais ce n'est pas fini. Et finalement, pas de danger. Coup de sifflet final et ça se finit plutôt très bien pour l'équipe qui se déplaçait avec une victoire. On vient d'assister à un match quasiment parfait de leur part. À aucun moment on les a sentis véritablement en danger.
Oh, attention à ce ballon. Goal, Youssef En-Nesyri. Eh oui, del grande, del grandis. Le ballon sur Léo Messi. Et voilà un carton jaune pour cette action dangereuse. Le règlement est parfaitement... Pedri. Léo Messi. L'arbitre qui avertit David Alaba, carton jaune. Quelle tête, on l'a presque vu dedans. Et finalement, ça va à côté. Au final, ça passe très près du montant. La parade exceptionnelle, incroyable arrêt. C'est impressionnant qu'une telle distance, le ballon soit détourné. Oh, bien défendu à la bas, mais c'est pas fini. Et le gardien plonge bien. Les tribunes que s'enflamment pour ce corner offensif, c'est leur premier. Il pensait réussir le doublé, mais belle parade du gardien. Bonne intervention de sa part. Il était bien vigilant. Ce... La frappe de loin. Et le gardien était bien vigilant. La deuxième chance. Nouveau corner. Bien fait ça, sans faute. Ah, le ballon intéressant. Oh, attention à ce ballon. Goal, Youssef En-Nesyri. Eh oui, del grande, del grandissimo. Vous avez raison. Vamos, vamos, gol, vamos, gol, gol, vamos. Bien fait ça, sans faute. Oh, le ballon intéressant.